Chers amis violonistes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons étudier le rythme croche de double. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Donc, on va prendre une pulsation. Croche de double, croche de double, croche de double, croche de double, croche. Tac, tac, tam, pam, pam, pim, pam, pam, pim, pam, pam, pim, pam, pam, pim. Donc, au violon, ça va vouloir dire quoi? Que je vais jouer toujours ma croche un petit peu plus longue que mes doubles, bien sûr. Alors, je vais partir par exemple de ma gommette rouge et je vais aller jusqu'à ma gommette jaune et je vais faire ma croche sur cette longueur-là et mes doubles, je reste autour de ma gommette jaune. Je reviens à ma gommette rouge, je joue autour. Ensuite, pour vous entraîner sur chaque note, vous faites toujours le rythme entier sur chaque note. Quand vous êtes à l'aise avec ce rythme, vous allez mettre le métronome et prendre de la vitesse, puisque ce rythme-là est souvent utilisé très rapidement. Donc, vous pouvez vous entraîner donc petit à petit à monter le tempo pour arriver à faire ce mouvement-là, toujours en pensant qu'il y a vraiment l'important, c'est la croche qui est lancée, ensuite comme si c'était un rebond les deux doubles. Allez, c'est vraiment sur place. Je ne fais aucun effort pour faire les deux doubles, elles se font avec le bout des doigts, comme si c'était un rebond finalement de ce que je viens de quand je viens de faire ma croche. J'y ai mis l'énergie qu'il fallait pour que hop, ça rebondisse. Voilà. Donc, il faut bien, bien lancer la croche et veiller donc justement visuellement à ce qu'elle ait bien fait le trajet d'une gommette à une autre. Voilà, à vous de jouer.